Bien le bonjour à tous, c'est Ultimate John Doom pour les infos et aussi quelques changements concernant ce que je vais parler ici dans cette vidéo. Et il faudra que certaines personnes non abonnées et ainsi de suite devra garder en tête et que ça sera la même chose pour les abonnés. Et que ça doit être gardé entièrement pour chacun d'entre eux et que c'est de mon avis et aussi de mon avertissement. Tout d'abord, je vais commencer par les vidéos prochains live que j'avais envisagé et que j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos live sur ma chaîne. Dans, par exemple, celui de Doom 2016 ou Doom Eternal que j'ai fait, j'ai parlé que je devrais faire Toy Story 2 et aussi Oddworld, l'Odyssée de Abe, ainsi que dans ma vidéo annonce que j'ai déjà mentionné et que je vais faire le nécessaire pour le faire, mais concernant les Uncharted Trilogy, je veux dire, eh ben, je le ferai bien évidemment, sauf que il faudra que je prenne pause un instant parce que comme on commence les mois de vacances, je sais pas si je ferai en jour suivi, si vous voyez ce que je veux dire. Et que pour Uncharted, c'est une longue série et ça prendra une ou deux heures que je le ferai tous les quatre, ainsi que le DLC, plutôt la partie Legacy. Que je n'ai pas retenu le nom, mais c'est pas grave. Et je vais les faire toutes et une fois que j'aurai fait Uncharted, je passerai sur un autre jeu que j'ai mis de côté, mais je verrai bien. Pour la partie, et que c'est en deux parties, et une autre que je vais envisager et que ça va être enlevé, mais je vais passer à celui-ci. Jusqu'à présent, il y a plusieurs de mes vidéos que il y a le plus de vues et que je les aime bien, mais l'autre, l'un d'entre eux, qui est celui de la partie 27, retourné à Jotunheim, a déjà dépassé 1000 vues. Et que, quand j'ai regardé les statistiques, j'ai remarqué qu'il y a eu une pique énorme au tout début de la vidéo et que, pendant toute la longée de la vidéo dans le statistique, il n'est que très bas. Et que cette partie, je ne comprends pas et que je vous montre ici en image, à côté du logo, que si vous voyez ça, ça signifie que j'ai un doute. J'ai un doute que les vues augmentent, il n'y a que le début qui est en pic, en hausse, et que il y a d'autres parties ici dans les statistiques que je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'y a que au début de cette vidéo et que cette partie-ci, il y a eu que 9 likes, oui, c'est bien, mais sur les commentaires, j'avais mis 3 fois le même message de demande aux non-abonnés qui ont mis les vues. Quelle partie de la scène de God of War, dans cette partie de la vidéo, la partie 27, qui l'aurait plu? Et quand j'ai attendu plusieurs jours, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et que les vues continuent et je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'y a que cette vidéo qui est liée à le plus de vues. Mais il n'y a pas que celle-là, il y a aussi Shrek 2 dans la partie 2 qui a déjà dépassé les 200 vues. Et un autre qui va bientôt dépasser, il y en a plusieurs, qui va bientôt dépasser les 100 vues. Et que je me suis dit que, comme je l'ai dit, à n'importe quel moment, les personnes peuvent laisser des vues, ils peuvent laisser des likes, ils peuvent commenter, et ainsi de suite, à n'importe quel moment, à l'ORES, bien évidemment. Mais concernant celui-ci, la partie 27 de God of War, j'ai l'impression que j'ai un doute. J'ai un doute que ça ne tourne pas rond. Pour la deuxième partie, et que pour finir et que ça soit pas trop long,
je vais envisager de faire un commentaire en grandes lettres pour les non-abonnés qui laissent des vues, pour quelle partie il les aura plu et pourquoi laisser tant de vues seulement au début de la vidéo. Et si pendant 15 jours, il n'y a que des vues qui augmentent et que personne n'a répondu, que je laisse 3 fois un avertissement tous les 4 jours, et que si personne ne répond, je vais envisager de supprimer cette vidéo. Et aussi toute l'intégralité de la vidéo de God of War 4 pour les refaire. Parce que les grandes vues comme celle-ci, et déjà que je suis à 52 abonnés, je suis désolé, mais d'envisager de s'abonner, de laisser des vues, ou parfois rarement liker, ou commenter, et qu'il n'y en a personne qui ont commenté cette vidéo, je suis désolé, mais laisser des vues sans raison pour une seule vidéo et que tous les autres sont genre qui n'ont pas dépassé les dizaines, comme par exemple les Wolfenstein, les Kingdom Hearts et aussi d'autres jeux. Je suis désolé, mais là, pas pour une seule vidéo qui va laisser d'innombrables vues. Là, je suis vraiment désolé. Déjà que je suis à 50 abonnés. Et là, je n'accepterai pas. Je suis désolé, mais tôt ou tard, j'envisagerai d'enlever cette vidéo et que laisser au-delà des 1000 vues sans raison, qu'au début avec un pic vraiment haut au début de la vidéo, là, je suis désolé, mais c'est insuffisant et c'est vraiment un doute. Pour la deuxième partie, que ça soit de nouveauté, il y a des jeux dans ma chaîne que je n'ai pas su achever entièrement. Il y en a quelques-unes que j'ai mis de côté et que je n'ai pas su envisager. Il y a déjà Tomb Raider Anniversary que j'ai déjà mis la première partie, mais j'ai eu un gros souci, c'est que la manette PS3 que j'ai utilisée pour faire Tomb Raider Anniversary a commencé à bugger et que je n'arrive même plus à contrôler Lara. Et je vais devoir enlever cette vidéo et que je vais mettre de côté pour le moment la partie Anniversary. Et pour The Red Stars, qui est le jeu PS2 et que j'étais bien lancé, je me suis arrêté à la partie que c'est au tout début de l'assaut du vaisseau ennemi et que je vais devoir enlever ce jeu et les vidéos parce que tant que je n'ai pas fini le jeu, je ne publierai pas le reste parce que j'ai décidé de pouvoir envisager de faire tout l'enregistrement avant publication. Car si un jeu est lancé directement dans ma chaîne sans être fini, là ça va me mettre dans une difficulté que je ne pourrai même plus continuer. Car c'est un des défauts et aussi un des erreurs que je vais devoir corriger rapidement. Et pour d'autres vidéos et aussi informations, je laisserai dans une prochaine vidéo annonce. Que la passion Ultimate John Doom et jeux vidéo continue à tous.